Du coup, la statue, elle était par là. Un peu plus loin. Là. En fait, si t'as l'impression que j'ai déjà fait le jeu Blush, c'est parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans le 1. Et on a fini le 1 il y a quelques temps, là. Il y a 2 ou 3 semaines. Yours, vous tuez le dernier héros. Les 6 prêtres des caisses. D'accord. Et moi je veux bien aller où vous voulez les gars, par contre, comment je fais? D'ailleurs les plateformeurs 3D sont absents depuis trop longtemps. Alors les plateformeurs 3D, il faut une super caméra sur un plateformeur 3D. Du coup je pense que les gens ont arrêté d'en faire parce que c'était compliqué de faire des plateformeurs 3D vraiment efficaces. Enfin, qui utilise vraiment la 3D en fait, et pas une fausse 2D 3D pour faire plaisir aux fans. Parce qu'un platformer 3D, si ta caméra elle est pas au micromètre, bah, les joueurs ils vont être dégoûtés quoi. Comment je fais pour avancer? Ah attendez, il y avait une porte scellée tout à l'heure, ça se trouve elle est plus scellée. Bah moi j'attends Mario Odyssey, mais le problème c'est qu'il faut que j'achète la Switch, et la Switch elle coûte cher, et j'ai pas d'argent. Du coup je sais pas trop comment on va faire. Je pense qu'on y jouera pas avant l'année prochaine. Je vais être tout à fait honnête, ça sent mauvais. Et j'ai pas pété. Il y avait une porte verrouillée juste là. Ah elle est plus verrouillée, oui! Bah quelle là? Plus de musique. J'aime pas quand il n'y a plus de musique. Quand j'ai vu le pack Mario dégueulasse. Bah moi le Zelda je l'ai fait sur Wii U, donc j'avoue que j'ai pas trop envie de l'acheter tout de suite sur Switch. Je pense que je le prendrai plus tard. Oh, oh le méchant. Donc il a reçu le pouvoir des prêtres, n'est-ce pas? Tu sembles avoir beaucoup de courage. Et qu'en est-il de la préparation de la cérémonie? Je vois. Amener les offrandes à la tour de la cloche. Je dois faire sonner la cloche. Faites en sorte que le flux de sacrifice soit constant. Voici les méchants. Oh, regardez mes pas dans la neige. D'accord, alors en fait ça va être une série d'escaliers à monter dans le bon ordre pour pas tomber au mauvais endroit. Je vois le genre. Il y a une porte juste en dessous. Il y en a une là.
peux pas encore avoir l'item. Le jeu est sacrément rapide. Alors, soyons honnêtes, le jeu est ressorti sur Steam et c'est un jeu PSP en fait. Du coup, en fait, il est beaucoup plus rapide que ce qu'il devrait être. De la même façon, comment dire, le jeu d'origine n'était pas aussi joli quoi. Là, si vous allez chercher le vrai jeu sur internet, vous verrez que graphiquement ça ressemblait pas trop à ça quoi. Mais bon, ils sont sortis avant la Nintendo quoi. Et du coup, en fait, comme le système de combat est en fait un automatisme, en fait, quand tu touches l'ennemi, ça l'attaque. Et du coup, en fait, il faut le taper selon des angles précis pour pas recevoir de dégâts. C'était sur PC 88 ou une connerie comme ça. C'était les vieux PC, quoi. Il est sorti sur Amiga, il est sorti... Après, ça c'est le remake, hein. Du coup, le remake est sorti sur d'abord sur PSP et il est disponible sur le Steam Shop. Donc ouais, à l'origine, ils étaient sortis sur, sur les vieilles consoles de salon PC. The Blizzard Bulb. D'ailleurs, quand vous écoutez la musique d'origine, vous voyez tout de suite. Ça, c'était la musique à l'origine. Et maintenant, c'est comme ça. Viens, viens, viens. Je suis totalement perdu. Moi aussi, j'ai commencé le gaming. Sur la NES. À l'origine, ma première console, c'est la NES. Hey, salut Baron. Bienvenue sur le live. J'espère que tes lives actuels sur GTA 5 se passent bien. Oh. Ça se passe presque comme j'avais pensé. Mais pas tout à fait, quand même. Ah, tu sautes d'un support à l'autre. Ça arrive à tout le monde. Du coup, vous avez jamais fini votre série de live sur Dark Souls 3, les amis? Je viens d'y penser, mais... Je me rappelle pas avoir vu la fin de vos aventures. Mais ça, je m'en doute que c'est de ta faute à Lucas. De toute façon, c'est toujours ta faute.
Oh putain, faut descendre. Oh oui, un coffre. L'idole du faucon. Et bah j'espère que vous reprendrez en effet. A tout à l'heure, Baron. Pareil, JFK sur le bas. Et bisous à toi, Dwedwe. Bon courage. Ah, on a tous des périodes à vide hein, quand on stream, hein. Faut bien le reconnaître. Il faudrait peut-être que je sauvegarde de temps en temps aussi, parce que ça fait juste une heure que j'avais pas sauvegardé. Mais... les Stone Shoes me permettront certainement d'avancer à un endroit où je pouvais pas avant. On va voir ça. Ça a l'air bien ça. Ah, on va pouvoir remonter sur les pentes glacées. Ah oui, of course. Je le sens tellement bien ça. Regardez-moi ça!
suis un branleur. Je suis un branleur, je fais de la merde. Ah, j'ai perdu trop de vie. J'ai encore perdu trop de vie. Là, on est bien. Grand guerrier.
Tu as réussi à atteindre les falaises glacées de Noltior. Yo, tu dois trouver la vraie porte qui te permettra de passer à Noltior. D'accord, donc il faut trouver un truc pour refléter la vérité. C'est pas la même couleur que le reste. Oh, merci le monstre. La cape des esprits. Ah, c'est quand je me tiens sans bouger. D'accord. Ah bah c'est bien. Faut que je fasse une pause de quelques secondes, je reviens tout de suite. Hop. Très très pratique ce petit objet là. Je pense que vous le referez rapidement dans le futur. Bon, on a déjà joué plus longtemps que ce que je croyais qu'on jouerait ce matin, mais j'avoue que je peux pas abandonner comme ça au milieu de ma quête. Ce serait la loose quand même. Je vous avais dit qu'on le reverrait rapidement. j'avoue. Je pensais pas que ça serait aussi rapidement.
on n'est pas tout à fait au milieu de la barre, donc il doit y avoir une quarantaine, une cinquantaine de niveaux dans le jeu. Anti-Vision Mirror. Et voilà, on a l'objet maintenant. J'ai l'impression qu'il y a moins de boss dans le deuxième que dans le premier. Je crois qu'il y avait déjà deux ou trois boss dans le premier à ce niveau-là. Et voilà, à ce moment du jeu, quoi. C'était un peu le festival dans le 1, les boss. Il y en avait des très bien, d'ailleurs. Le boss double, là, avec les boules de feu autour, il m'a cassé les couilles à un moment. Hein. Je crois que... C'était le seul moment où j'étais présent. Pour te foutre de ma gueule, hein. Ça me fait plaisir que les gens apprécient YS. J'avais un peu peur en faisant beaucoup de rétro le dimanche matin que ça attire pas les gens. Enfin, je dis ça, mais la semaine dernière on a fait du Yakuza, donc le remake en plus, donc niveau rétro c'était pas ça. Et le soir on fait du Deus Ex, qui là niveau rétro est pas mal quand même.
Oh bah régène. Parce que ça pue la bite. Vous voyez, ça c'est une salle de boss par exemple. J'avoue que tu puisses quitter la salle de boss, c'est un peu problématique. Hein. J'ai un petit peu l'impression qu'on l'a pas touché une seule fois. Tellement cher quoi. Hop, hop, hop. Ok. Tu m'aimes pas, je peux comprendre, je peux adhérer au principe. Dommage, c'était pas loin là. Eh ben bon appétit Elka. Je pense que je tiens le boss là. Faut que j'arrête de foncer. Merde, j'appuie sur quitte. Merde, désolé. Faut que j'arrête de foncer directement sur ces pics de glace en fait. Quand j'ai esquivé, faut que je reste où je suis. Comme là, vous voyez. Thank you.
On l'a eu. Back à like. Du coup, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour ce dimanche matin. Nous avons obtenu de l'herbe. J'ai l'impression que ma magie de feu ne va pas me servir à grand chose ici. Grand guerrier. D'accord, du coup, son apparence risque de pas nous plaire. C'est pas censé, à un moment, avoir d'autres villes. Je cherche un monstre qui n'attaque pas les ennemis. Iron Ore. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis pas rendu. Hein. S'ils s'y mettent à deux, ça va être compliqué quand même. Il donne plus que 54 de puissance. De points d'expérience, je veux dire. Yoga. Normalement, les ennemis sont attirés par toi quand tu restes trop immobile. C'est pour ça qu'il est jamais très bon de rester immobile dans un donjon. Mais... Donc, eux te donnent 30 d'expérience. Donc, en théorie, en tuer 10 là, me donnerait suffisamment d'expérience pour
monter d'un niveau. Eux donnent 28. Mais attends, ceux sur le pont m'ont donné 50. Comment j'ai pu gagner 50 points d'expérience sur le pont et maintenant en gagner 28? C'est pas logique. Est-ce que c'est parce que j'ai monté d'un niveau? Impossible non plus. En définitive, je pense quand même qu'il y a 40 niveaux dans le jeu. Les hommes taupes. Moitié des hommes, moitié des taupes. Et j'ai la forme adaptée pour ça. Est-ce que si je suis plus équipé, je continue à me parler? Ouais, mais je peux pas comprendre ce qu'ils me disent. Et du coup, avec la Rodalif, on va pouvoir traverser.
Oh! Le fufu, il m'a mis mal, hein. Je pense que j'ai pas sauvegardé depuis 10 ans. Parce que je me connais et que je suis un con. Je me demande si maintenant. Ah oui! Par contre, vous voyez, j'ai l'impression qu'il nous manque un entre les deux. Des heures et des heures de menuing pour acheter 3 pommes. Je pense qu'on peut pas en avoir plus que 3. Hein. La gamine est encore partie se promener? C'est pas possible.
Les mécaniques de jeu simples, tu trouves la feuille pour plus être empoisonné. Tu trouves les bottes pour pouvoir monter dans la glace. Facile, easy. On peut pas sauvegarder ici. Alors, pour info, la dernière fois que j'ai vu le live de la baronne, elle était encore en train de jouer sur l'aventure. Donc, selon moi, elle l'a pas encore fini. Après, que je sache, elle a fait que 4 ou 5 lives dessus. Mais elle fait des lives assez longs, donc je peux pas te dire si elle a bien progressé ou pas. Et je doute qu'elle l'ait fini. Parce que, à ce qu'on m'en a dit, le jeu est plutôt long. Moi-même, je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai un peu l'impression qu'ils m'en veulent un peu, les gens. J'étais pas censé arrêter, moi. C'est qu'il commence à faire faim, quand même. Allez, on arrête à 13h.
Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, peut-être le ramener aux écureuils. Écrit en runique. Quatre-vingt quatre de défense quand on le lance.
Et bisous, Baron, à bientôt. Et bon live si tu vas. Si tu vas live. N'hésitez pas à suivre les lives de la Baron, les amis. Follow la chaîne, tout ça, tout ça. On a déjà de quoi se payer tout ce qu'on veut, mais c'est pas ce qui m'importe. Quoi. Enfin, si, ça m'importe parce que j'adore m'acheter des armes, mais. Oh, ils rapportent beaucoup d'or. 82 par monstre alors qu'ils sont super faciles à tuer. Du coup, pour un vrai streaming de qualité, n'hésitez pas à suivre les lives de la Baronne, hein, les gars. Vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Et elle joue souvent avec Alucard à Dark Souls. Ils font des runs à deux. Une idée que je trouve plutôt sympathique en vérité. C'est un peu dommage que le pairing system de Dark Souls soit aussi horrible. Elle est sympa et drôle. Et en effet, elle est très sympathique et très drôle sur ses lives. Elle sort des bêtises des fois. C'est super marrant. Et n'y allez pas que pour vous moquer d'elle. C'est une très bonne joueuse et très bonne streameuse. Et c'est la maîtresse de Alucard Sama. Alucard qui nous reviendra plus fort encore quand il aura moins mal au dos et qui sera moins fatigué par la rentrée. Moi j'avoue que la rentrée me met un peu à genoux. Ce que je dois faire, où je fais de la merde. Quatre-vingt-quatorze de défense. Comment c'est broken, quoi.
pas fier. On va pas arrêter le live là-dessus, il faut au moins que je trouve la solution. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de YS. YS 2. C'est quoi? C'est YS versus Vanished Omen Final Chapter. Le premier s'appelait Vanished Omen. Adieu, passe une bonne semaine. Et bah Archem, je te souhaite toi aussi une bonne semaine. Peut-être en milieu d'après-midi, je ferai un tout petit peu de Deus Ex. Ce soir, on fait du Civilization 6. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à aller follow la baronne. Je pense qu'elle doit être en live. Je me trompe peut-être, hein, mais... Non, non, ça veut pas, ça veut pas. Je déteste ne pas trouver la solution. On a l'impression d'être con. Mais c'est parce que t'es con. Ah, bah c'est bon alors.